Le ciel attendra, en fait, répond à une question que j'avais, une question très importante. Comment une adolescente aujourd'hui peut se faire embrigader au point de vouloir partir en Syrie, d'abandonner tout ce qu'elle a connu jusque-là et qui ressemble encore au domaine de l'enfance. Voilà, c'était la question que j'avais et je voulais y répondre pour donner aussi des moyens aux spectateurs de comprendre et donc d'avoir peut-être plus de moyens d'être acteur dans cette situation. Le rôle de Mélanie, qui est la jeune fille qu'on suit dans son processus d'embrigadement, est interprété par Naomi Amargé. Et on suit aussi les parents, qui sont interprétés par Sandrine Bonner, Zindine Soilem, Clotilde Courreau et Yvan Attal. Et le rapport de ses parents avec leurs enfants et comment ils vivent cette chose terrible qui leur arrive. C'est l'histoire, le parallèle de deux jeunes filles qu'on suit, l'une dans son processus d'embrigadement et qui s'appelle Mélanie, et l'autre c'est Sonia, le personnage que j'interprète, et c'est le processus de désembrigadement. Donc le film aussi montre l'espoir qu'il y a et qu'il y a des choses mises en place, entre autres par Dounia Bouzar, qui joue aussi dans le film, des moyens qui sont utilisés et qui permettent de s'en sortir, même si c'est un chemin long, difficile. Mais voilà, il y a de l'espoir et le film montre ça aussi.